Alors, cette maison Bonaparte, c'est l'un des musées les plus visités de Corse. C'est le deuxième après le musée de Corte. Alors, pour vous donner quelques indications, bien sûr, c'est là où est né Napoléon, puisque c'est la maison natale de Napoléon. Il y est né le 15 août 1769. Et à l'intérieur, vous avez des objets qui ont appartenu à la famille, et même du mobilier que la famille a acheté à la fin du 18e, lorsque Napoléon avait presque 30 ans. Maintenant, ce qui est intéressant concernant cette maison, c'est que vous avez dans cette maison des rois qui y sont nés, une princesse, une grande duchesse, des princes, donc des personnes très importantes. Et puisque bon, Napoléon, ses frères, ses sœurs, hein, tout le monde a eu des rôles très importants et a joué des rôles, a joué un rôle important au niveau de l'Europe, pour Napoléon. Ce qu'on sait moins concernant cette maison, c'est qu'un descendant des Bonaparte a fondé le FBI. Qu'est-ce que c'est que cette intervention là? Qu'est-ce qu'il dit? C'est vrai que c'est déplacé. C'est déplacé. Bétou. Hein? Je disais que s'il y a des rois, des reines, des grandes duchesses, des princesses, des princes qui sont dans cette maison, il y a également un descendant.